Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce jeudi 13 juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, petite philosophie de ce 13 juin, tranquillement, tranquillement. Les choses importantes et urgentes doivent être accomplies, eh bien, avec beaucoup de tranquillité. Aujourd'hui, j'ai pigé la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ce qui ne fonctionne pas chez vous nécessite toute votre attention, car cela produit un blocage sur certaines situations. Dès que vous transformer ou réparer les choses, eh bien, vous récupérez cette belle énergie dont vous pouvez disposer comme bon vous semble. Un parallèle existe entre vos biens matériels, leur état de marche et votre façon de fonctionner. Dès que vous avez quelque chose de cassé, quelque chose qui est en panne ou quelque chose qui est inutile, eh bien, réparez-le ou débarrassez-vous-en et considérez à la limite que tout ce que vous avez est le miroir, la projection d'une facette de vous-même. Donc, on vous invite à agir sur le matériel. Ne laissez rien traîner et c'est ainsi que votre bien-être augmentera considérablement. Et de cette manière, ce que vous faites rejaillit sur vos comportements et votre aptitude à la réussite. Il serait peut-être bon de faire le ménage chez vous, trier vos papiers, lister ce que vous avez à faire et afin que tout soit opérationnel. Hein. Peut-être réparer des choses que, voilà, vous occultez. Dès que vous vous sentez bloqué, perdu, ou submergé, eh bien, il vous faut prendre du recul. Imaginez-vous que vous avez la solution. Et concentrez-vous sur une pensée positive ou sur un ressenti favorable. Et puis laissez-vous conduire sur une autre pensée ou une autre sensation. Et vous pouvez dérouler ainsi le fil d'une intuition jusqu'à ce qu'un message clair émerge. Et si vous êtes vraiment dans un blocage, demandez à votre ange gardien de vous aider, à votre guide de vous éclairer. Il y a une réparation à faire. Et ce n'est pas en restant immobile que vous y parviendrez. Que ça soit dans le milieu affectif, professionnel, personnel, amical, il y a une réparation à faire. Et la réparation peut venir de « je décide de réparer ce, par exemple, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ou alors fermer des portes, parce que ça c'est une réparation aussi. Faire un lâcher prise pour réparer ce que vous êtes en train de vivre présentement. Et il s'en viendra vraiment du positif par après. Donc voilà. C'est le message d'aujourd'hui. Je termine par énergie de guérison. Et aujourd'hui,
Eh bien, j'ai pigé affirmation. Par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Très beau message de l'énergie de guérison ainsi que des portes de l'intuition. Mais ça nous fait vraiment réfléchir, hein, toutes ces cartes que je tire chaque jour, c'est vraiment faire revenir à soi et faire vraiment un travail de rétrospection en nous, de qu'est-ce qui ne va pas à l'heure actuelle dans notre vie, le pourquoi, le comment, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. Voilà, tout ça, ça, voilà, faut être humble pour reconnaître que nous ne sommes pas parfaits. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour le dernier message de cette semaine. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse et je vous dis à demain.